Ce plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à nous suivre dans le cadre de votre émission commentaire de l'adoration, un commentaire assez spécial marqué par l'entre-deux du Centre Péniel Mondial, le tout premier organisme du ministère chrétien du combat spirituel. Et cette fois-ci, nos attentions sont focalisées sur le siège de Lubumbashi où séjourne en ce moment le berger sentinelle en la personne de Papa Alain Gabriel Olon. Lubumbashi, la capitale mondiale du cuivre, Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, Lubumbashi, le deuxième siège du ministère chrétien du combat spirituel en RDC après Kinshasa, Lubumbashi qui a donc accueilli avec joie Papa Alain Gabriel Olangi, qui y séjourne pour la première fois depuis le rappel à Dieu de nos parents spirituels, Papa et Maman Olangi. Un accueil chaleureux a été ainsi réservé au numéro 1 de la FOW. Vous aurez l'occasion de le suivre durant toute l'émission et bien sûr le message ainsi livré. Ce sera donc là les deux principaux temps forts qui vont marquer ce culte du 17 mars 2024 au ministère chrétien du combat spirituel, culte placé sous le sceau du 32e anniversaire du Centre Péniel Mondial. Alors, à l'entame de ce rendez-vous, nous voulons vous faire vivre une ambiance inédite hein, qui a régné à la bergerie du ministère chrétien du combat spirituel. Regardez d'abord les images. Comme du temps des parents, avant toute adoration, une préparation spirituelle pour la réussite de l'événement se fait toujours. Et Papa Alain Gabriel Olongui, qui suit les traces de nos parents d'heureuse mémoire, a bien voulu ne pas se mettre en marge de la préparation. Il ne pouvait pas en être autrement. Hein. Déjà, depuis Kinshasa, il le fait toujours. Chaque dimanche, quand il est à Kinshasa, il va à la maison d'Alliance, les orateurs pour préparer l'adoration avec les disciples et les messagères, il ne pouvait pas en être autrement, étant à Lubumbashi, Papa Alain Gabriel Olangi ne pouvait que se rendre à la bergerie pour passer ce moment de communion avec les responsables du ministère, aussi bien administrativement parlant que spirituellement parlant, pour pouvoir recommander ce sacro-saint rendez-vous entre les mains de l'Éternel, parce qu'il est important que l'Éternel soit au contrôle de tout et il faut tout remettre entre ses mains, la victoire, la réussite en dépend. Papa Alain Gabriel Olongui a donc été accueilli à la Cité des Vainqueurs par toute l'assemblée sous la houlette du chef de mission, Papa David Kaïng. Une première hein, pour les chrétiens combattants de la capitale du Grand Katanga d'accueillir le primat du ministère chrétien du combat spirituel. Beaucoup le voyaient pour la première fois de visu ce dimanche 17 mars. Papa Alain, rappelons-le, était d'abord à Kolwezi, ensuite à Fungurume et à Likasi, avant de communier avec les chrétiens combattants de Lubumbashi. Et donc, dans une joie ineffable, les chrétiens combattants ont accueilli Papa Alain Gabriel Olangi. Et on peut bien le voir sous ces images-là, la consolation, la joie qui a débordé pour dire que les brebis étaient véritablement aux anges de voir leur berger là, en présence, pour passer un moment de communion autour de la parole de Dieu, de la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
À l'occasion de la célébration de l'an 32 du deuxième organisme du ministère chrétien du combat spirituel, un chant d'anniversaire a été entonné par l'ensemble de la communauté, suivi de la remise du bouquet de fleurs par les mamans de la CIFMC. Suivant. C'est avec joie que je reçois ces vœux, que je reçois en signe ces fleurs, et ce que je veux dire maintenant, je suis dans la joie de voir les papas du Centre Péniel Mondial de Lubumbashi debout, fidèle, loyal. Les papas de Lubumbashi, un joyeux anniversaire de ma part. En tout cas, les mamans de la CFMC, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. La joie indélébile d'une grande communauté autour de son berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olangui, nous l'avons reconnu là, maman Deborah Kalenga, qui est présidente de la CFMC Lubumbashi au Katanga, donc, qui a remis ce bouquet de fleurs à papa Alain Gabriel Olangui. Papa Alain, qui a justement tenu à saluer, n'est-ce pas, le dynamisme, la fidélité, la loyauté des papas du Centre Péniel Mondial de Lubumbashi, qui sont restés debout en dépit du rappel à Dieu de nos parents spirituels. Ils ne se sont pas découragés, ils poursuivent sans relâche leur délivrance. Une fierté pour papa Alain Gabriel Olangui, et on l'a senti dans le mot qu'il a tenu à l'encontre justement de la communauté à Lubumbashi. Les jeunes chrétiens combattants du siège de Lubumbashi ne sont pas restés en marge de la célébration. Eux aussi sont montés sur l'autel du Seigneur pour formuler ainsi leurs vœux de remerciement à papa Alain
Jérusalem, suivi de la remise du bouquet de fleurs, surtout inspiré par ce verset de Josué 1, verset 5 suivant. Cher papa, avec Gabriel Olandi, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir ici dans le siège de Lubumbashi. À l'occasion de ce 32e anniversaire du Centre Pénial Mondial. Ainsi, nous, la JCC, avons résolu de vous offrir ce bouquet de fleurs tout en conformant à la parole de Dieu tiré du livre de Josué 1:5 qui dit: tant que vous vivrez, que nul ne tienne devant vous. C'est avec un cœur rempli de joie que je reçois ces paroles. Et je veux faire de ces paroles les miennes. Et l'Éternel va m'exaucer également. Après, il y a la JCC de Lubumbashi qui a prononcé des paroles favorables. Les mamans et la JCC vont acclamer très très fort l'Éternel. Parce que là, les papas du Centre Pénial Mondial de Lubumbashi sont honorés. Sont honorés. Sont honorés. Les mamans. Autrefois, on les appelait des gangs. Des mots qui ont tout leur sens, qui ont toute leur portée spirituelle. Hein? Le vœu de la JCC Lubumbashi à papa Alain Gabriel Olangi pour les 32 ans du Centre Pénial Mondial, tiré, vous l'avez dit, ma sœur Elisabeth, de Josué 1, 5. Dieu dit à Josué: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. En fait, c'est Dieu qui s'adresse à papa Alain Gabriel Olangi par le biais de la JCC pour lui dire que je serai avec toi comme j'étais avec tes parents, papa et maman Olangi. Voyez-vous, c'est une grande assurance. Et papa Alain Gabriel Olangi l'a reçu avec humilité et foi. Après quoi, il a rappelé l'impact que le message de Dieu à travers le Centre Pénial Mondial a produit dans la vie de ces hommes qui sont venus au ministère. Certains voleurs, d'autres impudiques, d'autres encore alcooliques, mais ils ont été transformés dans ce ministère et sont devenus des hommes nouveaux. C'est la nouveauté de vie que nous sommes en train de rechercher au Centre Pénial Mondial. Et papa Olangi insistait souvent lorsqu'il parlait du but ultime de la formation qui est donnée au Centre Pénial Mondial. Il se basait souvent sur Colossiens chapitre 1er du 28e au 29e verset. C'est l'apôtre Paul qui dit: c'est Jésus que nous annonçons, exhortant, instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'apôtre Paul ajoute au verset 29 que c'est ce à quoi je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, la nouveauté de vie, c'est cela, l'action principale du Centre Pénial Mondial dans la vie de ces hommes qui viennent. Il faut que nous puissions acquérir la nouvelle manière de vivre en Jésus-Christ. Et papa Alain Gabriel Olangi a justement martelé à ce sujet pour mettre en évidence l'importance du travail accompli par le Centre Pénial Mondial à travers ces 32 ans.
Le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel nantit de deux bouquets de fleurs, l'un remis par la CIFMC et l'autre par la jeunesse chrétienne combattante, l'a toutefois remis l'un au coordonnateur Papangoy, coordonnateur du Haut-Katanga, et à l'autre au chef de mission David Kainda. Un geste fort de signification. C'est un geste de reconnaissance, mais aussi d'encouragement du staff du ministère chrétien du combat spirituel de Lubumbashi, parce que là, vous avez le cordon à droite de Papa Alain Gabriel Lengui et le chef de mission à gauche. Donc, ça fait le staff. Et donc, Papa Alain, en leur remettant ces bouquets de fleurs, il est entré en fait de leur dire que vous méritez également que vos efforts soient reconnus. Que l'unité qu'il y a, la symbiose qu'il y a entre l'équipe missionnaire et la coordination locale, qu'elle soit saluée par tous. Donc c'est une façon pour Papa Alain de les encourager, de dire que nous partageons cet honneur ensemble parce que vous avez mouillé le maillot du vent des parents et vous continuez à le faire. Il vaut la peine que nous puissions ensemble glorifier le Seigneur pour ces 32 ans de la Centre Péniel mondial. Le culte d'adoration de ce dimanche 17 mars 2024 était placé sur le thème « Réveillons-nous et rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu ». C'est Papa Alain Gabriel Olengui qui a nourri spirituellement le peuple de Dieu de Lubumbashi. Vous comprenez, mesdames et messieurs, nous sommes là au deuxième et dernier temps fort de notre commentaire de l'adoration. Un moment important, hein? Le moment d'ailleurs le plus attendu au cours de ce culte, parce que là, il est question pour le Seigneur de nous dire « Oui, 32 ans, Centre Péniel mondial, vous m'exprimez votre reconnaissance, mais faites-les dans un état d'éveil spirituel. » Voyez-vous, on est toujours dans le thème de l'année 2024 au ministère chrétien du combat spirituel. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. C'est important. Et là, Papa Alain Gabriel Olengui a pris comme référence biblique celle de Genèse 32 avec, en toile de fond, l'histoire du personnage biblique de référence du Centre Péniel mondial. Il s'agit là de Jacob. Dieu a donc voulu que nous puissions nous inspirer davantage du parcours de Jacob, notamment à Péniel, pour que nous puissions être des hommes et des femmes réveillés spirituellement afin de vivre sa gloire. Ce personnage de référence du Centre Péniel mondial était au départ usurpateur. Après avoir volé la bénédiction de son frère Ésaü et allé se réfugier sur Laban, son oncle, où il a travaillé pendant 21 ans. Suivant. Il voulait Aripenda, la cadette. Aripenda wa mwisho. Mais Laban lui dit, parce qu'il l'a pas commandé, je ne peux pas te donner la cadette. Si tu es coupé chaque couteau, toi, moi, je. Dans notre coutume, mon casiriqueto. Il faut d'abord que la première se marie. Il n'a pas chopé le wakwanza à Oléwe. Mais il n'aime pas Léa. Parce qu'il n'a coupé de Léa. Bien aimé. Pédoua. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Où j'ai fâché mon tout kiné, où il a coupé de wakwanza. Il aimait Rachel. Aripenda Rachel. Mais on lui a donné Léa. Parce qu'il va l'embattre à Léa. Lui qui a arraché le droit d'aînesse. Il a beaucoup quoi. On lui a dit. Voilà mon échec. Non, non, non. Épouse d'abord l'aîné. Asma, on va mettre wa kwanza. La cadette, on verra après. Wa mwisho tutaona kisha. Et lorsque il travailla pour Laban. Na wakati akatumikia Laban. Il a travaillé pour Laban pendant 21 années. Akatumika miaka 21 kwa Laban. Les premières 7 ans, Makakama yakia kwanza saba, il était avec Alkuya, avec Léa. Alkuana Léa. Après les 7 ans, kisha miaka saba, on lui a donné Rachel. Panombacha Rachel kisha. Il a encore travaillé pour Laban pendant 7 ans. Akatumikia tena Laban miaka saba tena. Il a encore travaillé pendant 7 ans. Akatumika tena miaka saba. Il a fait son argent, akafanya pesa zake dans la famille de Laban. Mujama ya Laban. Et la banque commence à lui demander des comptes à rendre maintenant. La banque a voulu pas m'arrêter. La malédiction étant avec Jacob. La banque a commencé à mettre mal à l'aise. La banque a commencé à mettre Jacob. C'est là où il a décidé, avec les instructions de l'Éternel, de quitter la maison de Laban.
pour retourner là où le Seigneur lui a dit de partir. De retourner à Canaan. Auprès de ses pères. Dans la terre où il est né. Il a voulu partir une fois. Là-bas on l'a temporisé. Une deuxième fois. Une troisième fois. Il a fui. Avec ses deux femmes. Ses richesses, ses troupeaux. Pendant que Laban furieux. Voulait le ramener. Ou bien même le tuer. Avec ses enfants. Les soeurs de ses femmes. C'est à ce niveau-là. En partant, en fuyant là-bas, et en fuyant ses beaux-frères, que là, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jacob, donc, est chez son oncle Laban, et là, il travaille pendant 21 ans, 7 ans, pour. Léa, cette autre année pour Rachel, il reste encore là en train de travailler pendant 7 ans. Et voilà qu'à un moment donné, Dieu lui-même crée un environnement qui devait in fine réveiller l'esprit de Jacob. Pour qu'il réalise qu'il n'était pas sous la bénédiction qu'il avait usurpée, celle de son frère Ésaü. Alors, Dieu crée une situation de tension, de pression de Laban sur Jacob, au point que Jacob tente plusieurs fois de s'en aller en paix, mais sous l'opposition de Laban, Jacob se voit obligé de fuir avec femme, enfant, servante, serviteur, tout ce qu'il avait comme bétail. Jacob fuit donc parce qu'il réalise, papa Alain l'a dit, qu'il n'était pas sous la bénédiction. Et à ce moment-là, Jacob envoie des messagers pour dire à son frère Ésaü qu'il était en train de retourner au pays de ses pères, conformément à la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Jacob, sur le chemin de retour, se rend compte, et bien évidemment, du sort qui l'attend, un règlement de compte de son frère Ésaü. Après tout ce qui s'est passé, il se rend compte que non seulement il est en danger, ainsi que sa famille. Dans cette angoisse-là, dans cette peur, il se retrouve à chercher Dieu. Mais le karma existe. Hein? Tôt ou tard, on finit par payer de ses actes. 21 ans après, après avoir usurpé la bénédiction d'Ésaü, Jacob est donc obligé de rentrer dans sa ville de naissance. Et là, il a maille à partir avec le courroux, la vengeance de son frère. Lui, il a envoyé des messagers pour préparer le chemin. Les messagers sont venus lui dire, ton frère vient devant toi avec 400 hommes. Il ne venait pas en promenade de santé. 400 hommes, pour quoi faire? C'était pour tuer, voyez-vous. C'était pour lui régler des comptes. Enfin, le moment était venu pour Jacob, en fait pour Ésaü, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et là, Jacob est tétanisé. Il est apeuré. Il dit, enfin, ça n'est fini pour moi et pour toute ma maisonnée. Et là, Jacob est obligé de se réveiller, de chercher Dieu. Et papa Alain Gabriel Olang, il l'a martelé. Il a mis ses femmes devant. Il a commencé à avoir une prédisposition pour arranger avec son frère. Pour se réconcilier avec son frère. Il a commencé à avoir un cœur repentant. Et c'est là où il décide maintenant d'être seul. Il décide d'être seul maintenant pour chercher la face de Dieu. Acclamons le Seigneur. Il décide d'être seul. Être au milieu de vous aujourd'hui, c'est, j'avais beaucoup d'émotions. En entrant, de voir
la ville d'Aonti où maman Olangi avait décidé d'être seule. Il est maman Olangi avec mon papa qui est péqué. Il y avait Lubumbashi, il y avait Likasi. Lubumbashi, pourquoi Likasi? Je dois aller seule. Pas choisi de m'y péqué. À la montagne. Comme on lima. Pour chercher Dieu. Johnny, t'as foutu Mungu. Papa Kissima me faisait rire hier. Baba Kissima n'a pas dit chacha. Mais il disait, papa là. Ah, c'est papa là. Mais si vous n'étiez pas venu à Lubumbashi. Quand on m'a coupé Lubumbashi. Peut-être qu'il n'y aurait même pas de ministère qui est dans Lubumbashi. Ça c'est ce qui nous pas chez Kouyako. Si vos parents ne sont pas venus ici. Quand ça c'est là-bas, Kouyake, apa. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Lubumbashi. Ça c'est là où t'as fait vite à Kiro. C'est en venant ici. Mais mon Kouya apa. Que les problèmes ont commencé. Y'a qu'à maman pour Ilianza. Et papa qui s'est dans le ferré en disant mais la gare du train là, mais c'est ça qui a amené des problèmes dans le foyer de maman Olangi. Il est un membre mondo à maman Olangi. Les gens venaient de Loja. Quand on est au cas de Loja, les gens venaient de Sankuru. Quand on est au cas de Sankuru, oncle Bayomba, grand-père Bakambo, tante Sangazi, maman Kulutu, maman Mamuloko. Elle connaissait tous les voies ferrées ici. Arijo Majia Yote Yamashua. C'est le train qui a amené des problèmes dans la maison des Olangi. Mais ma chouette, l'état, maman, mon yuma, y'a pas Olangi. La famille a commencé à quitter. Jamaïka, ça vous toque. Le village pour s'entasser. Chichi, n'y a pas Yalane. Dans la seule maison qu'on avait de la Jetamine. Où il y avait que 3 ou 4 chambres. C'est là où maman ne voyait plus clair. Tout était dicté maintenant à partir du village. On envoyait les messages qui venaient par train. Papa Kissimba, tu m'as ouvert les yeux hier. Papa Kissimba, il faut la mettre déjà. Le train a amené des problèmes chez les Olangi. Chua, il a l'air d'un papa comme Olangi. Et là, maman décide maintenant. La coule maman n'a pas mon papa. De chercher Dieu. À ta foutre mon papa. Ça n'allait pas. Aïe, quoi, t'inquiète. On laissait le témoignage de maman Olangi. Mon aïe, au chou de la maman Olangi. Elle décide d'aller à la montagne. Seule avec Dieu. Elle décide d'aller dans les bois, dans les forêts. Vous connaissez son témoignage à Kinshasa. Elle allait à Chamba chercher seul Dieu. Et Dieu lui a adressé une parole. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est ceci, c'est la coutume, c'est la tradition. C'est les liens de famille, c'est les blocages. C'est les chaînes. Il a commencé à enseigner maman Olangi. À casa fundisha maman Olangi. Maman Olangi s'est investi. Maman Olangi a dit toi. Dans la prière. Mumaombi. Et Dieu a commencé à agir. La mouma casa kutenda. Devant cette situation angoissante pour Jacob, il n'a pas d'autre choix que de recourir à l'Éternel avec un cœur repentant. Recourir à ce même Dieu qui lui a demandé de rentrer. Retourne. Mais Dieu n'était pas sans ignorer qu'il y avait une menace de mort qui pesait sur Jacob et sur toute sa maisonnée. Dieu savait que Ésaü n'avait pas tiré un trait sur sa vengeance contre Jacob, qu'il attendait ce moment-là très patiemment pour agir. Et donc, Jacob réalise qu'en ce moment-ci, je n'ai que Dieu. Celui qui m'a demandé de retourner, eh bien, je reste seul. Eh bien, dit cette nuit-là, Jacob s'éloigna de ses femmes, de ses enfants. Il demeura seul. Autrement dit, il disposa son cœur à chercher l'Éternel. Et papa Alain Olangi nous fait comprendre qu'en ce moment-là, son esprit était réveillé. Pour prendre conscience qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire que les choses changent, que la mort ne s'ensuivait pas. Jacob reste seul en train de chercher la face du Seigneur toute la nuit et Dieu l'a visité. Une attitude de Jacob qui est assez intéressante devant une situation accablante, là où il était dépassé, il s'est dit, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel et c'est à lui que j'exposerai ma cause. Alléluia. Il s'est débarrassé de femmes, enfants, comme pour dire quoi, il a laissé la distraction, tout ce qui pouvait être comme obstacle à la présence de Dieu, il a recouru à l'Éternel. C'est ça l'attitude d'un homme nouveau au Centre Péniel Mondial. Parce que là, les enjeux vont se cristalliser autour d'une nuit. Une seule nuit qui va déterminer le reste du parcours d'un homme et de sa suite. C'est important. Lorsque nous venons au Centre Péniel Mondial, nous devons avoir la même attitude que Jacob. Parce qu'il y a péril en la demeure. Une question
existentielle, la vie ou la mort. Donc, un homme nouveau doit avoir un esprit réveillé. Ça veut dire un esprit conscient des enjeux du moment. Des enjeux dont dépend la survie de nos familles. Alors, à ce moment-là, Jacob se rend compte que je ne peux que m'abandonner entre les mains de l'Éternel. C'est lui seul qui a la solution à ce problème. Sinon, Ésaü va venir, il va tous nous exterminer pour tirer vengeance. C'est ça l'attitude d'un homme nouveau. C'est un homme qui prend conscience des enjeux qu'il y a autour de lui et autour de sa famille. Parce que c'est lui le chef de la famille. Il a pris une responsabilité énorme que de faire quitter sa famille de chez son oncle Laban pour rentrer à Canaan. Et donc, toute la responsabilité reposait sur lui. À ce moment-là, il se rend compte que je n'ai que Dieu. Face à une telle situation de mort éventuelle, je fais quoi? Je me remets entre les mains du Seigneur. Donc, Dieu a provoqué le réveil lui-même de Jacob pour qu'il s'abandonne entre ses mains et que cette nuit-là, son histoire puisse radicalement changer. C'est la même attitude qu'a eue maman Olongi, d'heureuse mémoire, devant les méfaits de la coutume qui menaçait son couple et sa famille. Elle s'est retirée, elle a recouru à la prière, comme ce fut le cas de Jacob. Un rapprochement savant qui a été fait par papa Alain Krapier Olongi, qui se trouvait d'ailleurs à Lubumbashi, la ville qui a été le premier théâtre, n'est-ce pas, de la manifestation des liens des servitudes et des divorces dans le couple Olongi, de retour de Bruxelles. Et papa Alain le dit si bien. Il dit, voilà, ici même à Lubumbashi, où nos parents ont vécu les affres de la coutume, les condamnations de la coutume, c'est ici que Dieu s'est révélé à Mama Olongi. Pourquoi? Parce que Mama Olongi s'est retirée dans la montagne, à Likasi, ici à Lubumbashi. Elle a assidûment cherché la face de Dieu, seule, face à l'indifférence de Papa Olongi, à l'indifférence à ce moment-là des enfants. Mama Olongi est restée seule dans la présence de Dieu pour en découdre avec la couture qui réclamait son mariage, qui réclamait son foyer. Donc, une attitude similaire à celle de Jacob à Peniel, parce qu'il y a péril en la demeure. Voilà l'attitude responsable d'un homme et d'une femme qui sent que le diable veut frapper dans son foyer et qui ne doit pas dormir sur ses lauriers. Réveillons-nous, prenons conscience qu'il y a un danger qui nous guette. Mettons-nous debout, comme Jacob cette nuit-là à Peniel, comme Mama Olongi à Lubumbashi, pour chercher la face de Dieu en dépit de l'indifférence de Papa Olongi. En dépit de l'indifférence de Papa Olongi, Dieu qui sonde les cœurs et les reins a vu l'attitude de Maman Olongi dans le jeûne, la prière, la persévérance. Il a finalement rencontré Papa Olongi suivant. Seule, elle a persévéré pour son mariage. Pour son foyer et pour ses enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu touche le cœur de Papa Olongi. Jusqu'à ce que Papa Olongi accepte Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Jésus-Christ commence à tailler Papa Olongi. Jusqu'au jour où Dieu modèle Papa Olongi. Lui aussi, comme son épouse, a commencé à se retirer seul. Il a commencé à se retirer seul pour chercher sa délivrance. Il a commencé à chercher sa délivrance. Comme Jacob, il demeura seul. Papa a commencé à lutter avec ses diplômes, avec son intellectualisme. Il a commencé à lutter. Lui qui était un homme cartésien. Lui, vous avez déjà suivi son témoignage. Lui qui voulait créer la bombe atomique. Pour en faire quoi, je ne sais pas. Mais il a commencé à lutter avec ce qu'il y avait en lui. Dieu a commencé à transformer Papa Olongi. Dieu a commencé à modeler Papa Olongi. Comme Jacob. Il
jusqu'à ce que Dieu a transformé totalement l'ex-ingénieur. Au verset 25, il est dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ce n'est pas facile. Papa qui se met là, ingénieur de son état. La parole de Dieu, ce que nous avons appris à l'université, ce n'est pas facile. Il fallait lutter. Vous connaissez le témoignage de Paul Lang, il a lutté. Et Dieu a agi. Il a combattu, il a lutté. Comme Jacob. Depuis l'aurore. De la nuit à l'aurore, maman avait combattu. Pendant que maman intercédait pour lui. C'est vraiment inspirant hein, ce récit biblique de Jacob dans Genèse 32. On voit qu'avant cela, Jacob a passé 21 ans, on l'a dit, chez son oncle Laban, où il a travaillé vraiment comme un esclave. Mais en aucun jour, l'esclave n'est resté seul devant la présence de Dieu. Mais face à la menace de mort de son grand frère, il prend conscience, il est réveillé dans son esprit et il décide alors de s'en remettre au Seigneur. Et une seule nuit qui a transformé toute une vie. Voyez-vous, le temps que nous passons de la consécration, de la présence du Seigneur, produit des résultats inattendus. Alors, Papa Olangui a exactement connu la même chose. Parce que là, il a résisté pendant longtemps, et tout, mais Dieu a écouté la prière de sa femme, la prière fervente de sa femme. Ce jour-là, il le dit lui-même dans son témoignage, qu'il est passé devant avec tout le monde à l'église de Fepakonzi à Mbalamu à Lubumbashi, et pour renouveler l'engagement avec le Seigneur, et tout le monde est parti, Papa Olangui s'est retrouvé seul, en train de pleurer, lui, au cadre à la Jekamine. Et quand il revient sur lui-même, il se rend compte que c'était une honte. Il était humilié. Il pleurait. Des larmes coulaient. Donc là, il est humilié, le double ingénieur. Humilié, parce que là, tous ceux qui étaient avec lui devant sont rentrés. Il est resté seul. En fait, Dieu l'a brisé. Voyez-vous, à Peniel, l'ange a frappé Jacob au niveau de l'emboîture de la hanche, et puis l'emboîture de la hanche s'est démise. Donc Dieu, à ce moment-là, a frappé Papa Olangui pour qu'il soit humilié, brisé dans son orgueil, dans sa suffisance, dans son arrogance. Il a été frappé ce jour-là, en train de pleurer devant tout le monde. Et c'était en fait Dieu qui avait répondu à la prière de sa servante, qu'il a cherché pour la restauration de son foyer. Par le canal des prières de maman Olangui, son mari a été moulé, modelé. Jacob a lutté avec l'ange. Papa Olangui a lutté avec son intellectualisme. Tout à fait. C'était un grand géant pour lui. Un très grand géant. Lui qui était double ingénieur avec beaucoup de raisonnement. Finalement, devant le réveil de sa femme de prière avec insistance, et le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'a fait entrer dans son école. Dieu est bon, hein? Il avait un plan merveilleux pour cet homme, hein, qu'il a lui-même pétri dans son moule par la suite. On a vu avec le ministère qu'il a exercé au niveau du Centre Peniel Mondial. Et donc, c'était en fait le plan de Dieu pour cet homme, passé par cette école-là. Et au niveau justement de ce brisement, c'est là que tous les enjeux se sont joués. Hein, en termes de pour Dieu de façonner cet homme qui est devenu plus tard l'apôtre Paul de notre époque, comme Mama Olangui aimait bien l'appeler. Donc, il est important que nous comprenions l'enjeu qu'il y a autour du réveil spirituel que Dieu nous demande cette année 2024 au ministère chrétien du Koumassou. Nous sommes tous, chacun, comme Jacob. Il y a une menace quelque part. Il y a un danger quelque part. Et Dieu veut que nous nous réveillions pour que nous prenions conscience du fait que nous n'avons que lui qui peut nous apporter la solution à notre problème. Et c'est très important.
Jacob a donc lutté avec l'ange toute la nuit. Il a été même frappé à la voiture de la hanche. Pour dire quoi, parfois dans la marche chrétienne, Dieu peut nous frapper. Il peut avoir des situations pour, avec l'objectif seulement de nous réveiller, de nous mettre dans l'état de conscience qu'il y a un danger imminent qui nous guette. Alors, si nous avons les yeux spirituels réveillés, l'entendement spirituel aussi réveillé, nous pouvons voir et comprendre le message que Dieu veut nous passer. Il y avait beaucoup de détermination dans le chef de Jacob. Il a lutté avec cet homme-là, l'ange de l'Éternel. Il ne l'a pas lâché. L'ange lui a dit, mais écoute, laisse-moi parce que bientôt, là, il y aura l'éveil de l'aurore. Je dois m'en aller. Mais Jacob lui a dit, non, je ne te laisse pas. Donc, Jacob était ferme. Donc, nous devons être déterminés lorsque nous cherchons le Seigneur. Alléluia. Soyons déterminés, n'abandonnons pas. Ce n'est pas facile. Ça demande de l'énergie, du temps, de la concentration, de la consécration pour que finalement Dieu se révèle. En fait, Jacob était en quête de bénédiction. Il a compris qu'effectivement, il était sous la malédiction. Papa Alain Gabriel de Langue, il a dit. Alors, il dit à l'ange, si tu veux que je te laisse, bénis-moi. Mais l'ange lui dit, mais je vais te bénir comment? L'ange lui pose une question fondamentale. Et c'est là que se trouvait le hic du message de Papa Alain Gabriel Olangui. L'ange pose à Jacob la question, quel est ton nom? Quel est le lien qu'il y a entre une personne qui demande la bénédiction et la question qu'on lui pose, quel est ton nom? Une question fondamentale et entrée à l'identité de Jacob. En effet, il demandait quelque chose qui n'était pas dans le programme. Le programme notamment derrière son nom. Il voulait être béni. Or, il porte le nom d'usurpateur. Jacob signifie justement usurpateur. En fait, l'identité qu'il avait de la maison de son père était aux antipodes de ce qu'il lui recherchait comme bénédiction auprès de l'ange. Et l'ange lui fait comprendre que non, de par ton nom, tu ne peux pas recevoir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le programme qu'il y a derrière ton nom est un programme qui s'oppose ou qui est contraire à ce que tu cherches. Voyez-vous? Il fallait une déprogrammation de la vie de Jacob par le changement de nom, le changement de l'identité pour baliser la voie à la grande bénédiction de l'Éternel. Alors, comme il avait lutté avec l'ange et qu'il avait suffisamment montré à Dieu comment il était déterminé, en fait, il a veillé toute la nuit en train de lutter. Un véritable combattant. Voilà un homme qui s'est peigné le mondial. Il est debout pour sa famille. Il est debout pour sa vie. Il est debout pour la survie de sa maisonnée. Parce qu'il y a un danger. Il ne dort pas. Ce n'est pas un homme qui somnole, qui ronfle toutes les nuits. Non, non. Il est debout comme sentinelle. Il veille le thème de l'année. Il veille parce qu'il sait que le diable veut frapper. Alors, à ce moment-là, l'ange lui donne une nouvelle identité pour baliser la voie à la bénédiction divine. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, usurpateur. Tu seras appelé du nom d'Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Voilà une seule nuit. Passée de la consécration devant l'Éternel, qui a changé radicalement la vie d'un usurpateur. Il est devenu une source intarissable de bénédiction. Parce que cette nuit-là, Jacob est resté seul dans la présence du Seigneur et sa vie avait totalement changé. L'enjeu était de taille pour Jacob. Il devait lutter toute la nuit. Une attitude qui nous interpelle tous à se lever devant des situations qui nous arrivent, devant des problèmes, ne pas s'arrêter. Moi, on disait souvent, je ne m'arrêterai pas en chemin. Prier jusqu'à triompher. Jacob, conscient de là où il venait, a vu ici, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Nous devons être déterminés, persévérants, endurants pour contrecarrer les plans de l'ennemi, pour remporter la victoire. Et ainsi, il n'est plus Jacob, il est devenu Israël. Le chemin est si tapissé. Alléluia. Pour la bénédiction qu'il cherchait longtemps. Cher papa du Centre Peniel Mondial, quel est votre nom? Quelle est votre identité? C'est exactement ce qui s'est passé avec la femme cananéenne dans le Nouveau Testament. Sa fille est malade. Elle va demander la guérison de Jésus. Mais Jésus lui dit quoi? La nourriture des enfants, ce n'est pas pour les chiens. Parce que la femme, spirituellement, elle était une chienne. Voyez-vous? Question d'identité.
Donc, nous sommes au Centre Peniel Mondial pour un changement d'identité qui crée un changement de paradigme, un changement de programme. Mmh. C'est important. Cette nuit-là, Jacob a compris qu'il venait de se produire un chambardement de sa vie. Le plus grand chambardement de sa vie, d'ailleurs. Et il a sacralisé ce lieu, le quai de Jabbok. Il l'a baptisé Peniel pour dire, ici, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voilà l'expérience que nous devons chacun avoir au niveau du Centre Peniel Mondial. C'est un lieu où chacun de nous a reçu un coup de Dieu au niveau de l'emboîture de sa hanche qui s'est démise. Donc, un lieu de brisement, un lieu de connaissance de soi, de changement d'identité pour une nouveauté de vie en Christ. Parce que ce jour-là, cette nuit-là, après, Jacob a commencé à boiter. Donc, il était devenu un homme brisé, un homme faible. Mm. Mais devant Dieu, il était fort. Alléluia. Voilà l'expérience que le Seigneur veut que nous puissions passer pendant ces 32 ans de notre Peniel Mondial. Il faut que chacun de nous soit éveillé spirituellement pour pouvoir faire face aux grands défis, aux grands challenges de sa vie. Chrétiens combattants de tous les sièges et noyaux à travers le monde, particulièrement papa du Centre Peniel, à 32 ans, il est plus que temps de nous réveiller, amen, de sortir enfin du sommeil, se lever comme Jacob, batailler pour remporter la victoire, afin d'avoir un cantique nouveau et se dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai rencontré Dieu et j'ai changé d'identité. J'ai rencontré Dieu et ma vie a connu un changement radical à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un message assez fort, assez interpellateur, assez riche pour nous conduire dans un moment profond d'adoration que je vous invite à suivre. Des images assez éloquentes hein, du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel adorant de manière un peu plus rapprochée avec tous les hommes du CPM Lubumbashi qui ont véritablement été touchés par ce message. Hein. Chacun a réalisé qu'effectivement il y a un Ésaü devant lui qui le menace, qui menace sa vie, qui menace la vie de son foyer, qui menace son travail, ses enfants, son épouse, tout ça. Il y a une menace quelque part. Chacun de nous a une menace quelque part. Il faut que nous soyons conséquents, comme Jacob à Peniel, que nous arrêtions de dormir, que nous prenions la mesure de l'action pour que l'ennemi ne nous prenne pas, parce que là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, les hommes du Peniel de Lubumbashi ont été là, à la présence du Seigneur, pour se remettre en cause et adorer le Seigneur pour ce message qui est venu les réveiller, et qui est venu permettre à chacun de pouvoir véritablement rentrer dans sa destinée glorieuse avec le Seigneur. Et après ce moment de communion spirituelle à la cité des vainqueurs, les chrétiens combattants sont allés avec papa Alain Gabriel Olangui à la bergerie où encore la communion a pris une autre amplitude. Regardons.
On t'appelle, non? Viens, viens, allez. Ça va? Non. On n'a pas soufflé. Jésus, viens. Nous allons chanter au nom de Jésus. Amen. Et nous allons couper au nom de Jésus. Amen. Nous allons également manger au nom de Jésus. Amen. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il y a des points là. Voilà. Papa Cordon va passer. Papa Cordon, allez-y. Merci. Il y a le gâteau là-bas. À la résidence des missionnaires de Lubumbashi, c'était une ambiance festive autour de Papa Alain. On a pu voir des papas du Centre Pénial des Mamans de la CFMC ainsi que des jeunes de la JCC, tous d'un commun accord en train de partager une fraction de pain suivie de la coupure du gâteau d'anniversaire marquant bien sûr les 32 ans du Centre Pénial mondial. Quand dans un siège, le staff est uni, on le sent. Et on le voit. Et là, sur ces images, on peut bien évidemment voir comment l'équipe missionnaire et la coordination marchent de manière tout à fait synchronisée. Et coup de chapeau à l'équipe missionnaire dirigée par Papa David Kayinda, coup de chapeau à la coordination dirigée par le couple Ngoy. C'est comme ça que nous devons préserver cette œuvre que les parents nous ont léguée. Dans l'amour, dans l'unité, dans l'attente. Pour pérenniser justement cette œuvre comme Papa Alain Gabriel Olangui insiste. Et donc, c'est une ambiance de fête. C'est comme ça la vision. Après avoir partagé la parole de Dieu, il faut que nous rentrions dans nos sièges au niveau de la bergerie pour pouvoir communier encore parce que nous n'avons que ça comme vie autour de la grande famille que nos parents nous ont laissée. C'était important ce moment-là. Et nous avons ensuite vu le couple coordinateur du ministère dans le Grand Katanga, le couple Ngoy, exprimer la joie de tout le ministère à Lubumbashi avec cette venue de Papa Alain Gabriel Olangui. Ça ne vient pas tous les jours. Nous glorifions l'Éternel parce que nous savons que le hasard n'existe pas chez Dieu. Lui-même, déjà dans son agenda, il avait déjà écrit qu'aujourd'hui, qu'on fêterait ensemble avec les numéros 1 de la Fondation. Nous bénissons l'Éternel qui a permis, lui, il avait déjà inscrit cela dans son agenda. Voilà l'impression que nous avons. C'est une grande joie pour nous et pour toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel dans notre siège de Lubumbashi. D'ailleurs, ceux qui vont suivre même les images vont voir comment la joie était grande dans le peuple de Dieu. C'était là le couple coordonnateur du Grand Katanga, Papa et Maman Ngoy, qui ont exprimé la joie de toute la communauté d'avoir reçu Papa Alain Gabriel Olangui, le berger sentinelle. Et bien sûr, étant sur place, Papa Alain Gabriel Olangui a accordé une interview à l'équipe de CVV sur place. Suivant. 32 ans du Centre Pénial Mondial m'a trouvé ici. Alors à Kinshasa, les bien-aimés ont désiré ma présence, mais mes bien-aimés de Lubumbashi ont arrêté ma course vers Kinshasa, ont arrêté le soleil pour que je célèbre avec vous. Amen. C'est-à-dire que Dieu a entendu leur prière, Dieu a entendu leur cri. Et voilà. Nous avons festoyé dans la joie, dans l'allégresse, comme l'Éternel nous recommande lorsque nous célébrons en son nom. Papa Alain Gabriel Olangui, qui a répondu donc à la question de nos frères et sœurs, ouvriers du Seigneur de CVV à Lubumbashi, que nous saluons en passant, nous les encourageons pour le travail qu'ils font pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là-bas à Lubumbashi, appuyé par le staff, la coordination et l'équipe missionnaire, coup de chapeau.
au frère Josué Moukeba et à toute la suite de CBV dans le Grand Katanga. Papa Alain, qui a justement placé sa présence à Lubumbashi sous le signe un peu de ce que les enfants d'Israël ont fait avec Josué, ils ont arrêté le soleil sur Gabaon pour pouvoir remporter la victoire dans ce combat. Et donc, Papa Alain, Gabriel Olangui, qui envisageait de venir à Kinshasa pour fêter avec nous les 32 ans du Centre Panier Mondial, mais là, il a été stoppé par les chrétiens combattants de Lubumbashi qui n'ont pas voulu que papa vienne à Kinshasa. Et c'est exactement un message que Papa Olangui a donné. Je ne me souviens plus de l'année, mais à Lubumbashi, toujours, papa avait parlé du soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Et donc, c'est une heureuse coïncidence que Papa Alain Gabriel Olangui fasse allusion à ce récit biblique qui a été, comme je l'ai dit, un jour évoqué par Papa Olangui lors d'un message dans la même ville, dans le même siège de Lubumbashi. Réveillons-nous, rendons grâce à l'Éternel notre Dieu. C'est ainsi qu'a été formulé le thème du culte d'adoration de ce dimanche 17 mars 2024. Et pour ce numéro du commentaire de l'adoration, nous avons sassé et ressassé tous les temps forts du culte d'adoration du côté de Lubumbashi en raison de la présence du numéro 1 du ministère chrétien du combat spirituel qui a séjourné là-bas à la gloire de l'Éternel notre Dieu. C'est la fin de ce numéro. Merci de votre sympathique attention. Salutations à tous les chrétiens combattants du Grand Katanga, précisément à ceux du siège de Lubumbashi. À nous revoir pour un prochain tournage de votre émission Commentaire de l'adoration. Mungu awabariki. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.